Allez, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va voir comment retrouver un fichier, un document LibreOffice que vous avez perdu, que vous n'arrivez plus à retrouver. Donc bon, LibreOffice a un historique, en fait, faut le savoir. Alors généralement, les gens ne le savent pas. Alors donc dans le menu Démarrer, donc vous allez chercher LibreOffice qui est installé sur votre ordinateur. Donc vous cliquez sur le dossier LibreOffice et vous allez cliquer sur le premier. Donc pas les autres hein, avec l'extension voilà pour faire pour donc pour écrire, pour faire des maths, etc. Donc du coup ou un tableur. Donc vous cliquez sur le premier, donc LibreOffice, voilà. Et là, donc quand vous avez cliqué sur LibreOffice, donc LibreOffice s'ouvre. Voilà, et vous allez voir apparaître donc tous les documents que voilà que vous avez voilà. Alors ici c'est le premier, voilà, donc vous avez tous les documents. Alors, ça peut être des documents donc ODT et aussi calque, donc ODS, d'accord. Donc du coup vous avez tout type donc de documents. Voilà, donc voilà, du coup voilà, par exemple, tac, sur celui-là je l'aurais perdu, donc je clique dessus tout simplement. Voilà. Donc ça vous ouvre le document, il est là. Alors pour savoir où est-ce que vous l'avez enregistré, donc vous faites fichier enregistré sous. Voilà, donc vous voyez directement, ça vous donne le dossier où va se trouver votre fichier. Voilà, pour pouvoir donc de nouveau le retrouver. Voilà, donc j'espère que du coup cette vidéo vous a plu, vous a été utile. Et voilà, pour soutenir la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et à bientôt.